Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle petite série. Je ne sais pas combien de temps elle va durer sur le jeu Super Hot. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, ça fait pas longtemps. Et le principe est très simple. On est une personne noire et on se bat contre des personnes rouges, en vert à peu près, dans un environnement blanc. Et ce qui est important à savoir surtout, c'est que le temps ne bouge pas, ou presque pas, tant qu'on ne bouge pas. Voilà. Donc, on va se lancer directement et vous allez très vite comprendre. C'est un petit peu bizarre. Voilà. Il y a beaucoup de ça. Voilà. Un ennemi rouge, on est noir. Quand on bouge, ça bouge. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors le temps ne bouge que quand on bouge. Alors on peut voir là. On peut regarder la balle. Elle s'en vient, voilà, on peut la voir tranquillement. Et on peut voir que le temps bouge quand même. Ça, c'est important à noter, voilà. Le temps bouge quand même. Pas très vite. Quand on bouge comme ça bouge un peu. Pas trop non plus. Mais bon, voilà. Vous comprenez le principe. Attends, il va falloir les neutraliser un peu. Voilà. Super. Et ensuite, on a le droit à Super. un beau petit accéléré, si on veut, au retour à la normale. En vidéo, voilà, tout simplement. Voilà. Attraper le fusil. Attrape le fusil et les méchants. Bon, est-ce qu'on va toucher cette balle? Oui, c'est bon. On est content. Celui-là, on veut. Ah non, ok, il a vraiment bougé trop vite, lui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui lancer le fusil. Coup de poing, coup de poing. Il est mort. Voilà. C'était au piège. On s'est fait avoir. Hop, vérifie que personne qui arrive. Vide un fusil, faire attention. Voilà, prends le fusil. Voilà. Super. Et on peut voir un petit retour. Super. Voilà. Super. Avec le superlot qui prend un petit peu trop d'écran. Mais c'est pas grave. Donc, le principe du jeu, c'est pas assez. Voilà, je pense que c'est pour ça que le. Il va avoir beaucoup de succès comme jeu. On va juste décaler tranquillement. Ok, merci. Je pense qu'il y a des balles qui s'en vont vers moi tranquillement là. Voilà, on peut tirer. Balle sur lui. Balle sur lui. Hop. Et ils sont morts. Voilà. Et si on se retrouve en vitesse réelle. Super. Super. Voilà. Tout simplement. C'est pas mal intéressant. On peut faire une super belle cinématique avec tout ça. Là, voilà. Là, ils nous disent, lance ton arme, frappe, attrape son arme, tire dans la tête. Et il y en a une autre en arrière. Peut-être, non, vraiment raté. Je pense que les balles traversent pas très rapidement. Voilà. Bon, là, il a arrêté de bouger. C'est certain qu'on le touche. On n'a plus de balles par contre. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est tac. Et tire sur ton ami, toi. Voilà. Et il vient de tirer sur son ami. Et on s'est fait tuer. Voilà. Malheureusement, j'espérais que la balle passe à côté, mais ça n'a pas passé. Voilà. On peut faire tac. Voilà, ok. Voilà, c'est pour ça qu'il nous dit que l'on s'en fout. C'est parce qu'on est en train de refaire. On tape un peu. On attrape là. On tire le bras. Il est mort. Il est mort. Voilà. C'est bon. Alors là, normalement, on n'a plus de balles. Non, c'est ça. Faut le distraire un petit peu. Attrape, il n'y a personne d'autre. Il se penche. Ramasser et super. Il est mort. Voilà, c'est ça que ça ressemble. Super. On peut faire des trucs super intéressants comme ça, mais voilà. Donc, on va essayer de continuer tranquillement faire les niveaux. Je pense que le jeu n'est pas très très long. C'est pour ça voilà, que je vous dis. Quoi. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas combien de temps va durer la série. Voilà, il y a un petit truc ici, voilà, si vous voulez. Parce qu'il y a des secrets. Par exemple, ce niveau, c'est qu'il y a ici. Là, si on lance ça,
peut prendre mon beau petit katana. Alors là, bon, il faut faire attention, c'est sûr. C'est pas très avantageux dans ce cas-là. Mais bon. Ouais. Ok, ok. D'accord, lui il a tiré direct. Alors. Tac, tac. Bon. Voilà. Deux balles dans la tête. Ok, ça n'a pas marché. Oh non, le gars devant a pris la balle. Et il y avait une balle qui venait là, malheureusement. Parce que juste prendre des objets suffit à réaccélérer le temps, malheureusement. Bon, ça marche pas tout le temps. Non, la compte. Tire une balle. Ce qu'on peut faire au pire, c'est on lance le katana. D'accord, ça n'a pas marché. Toi, tu pourras pas nous tirer. Et toi, non, tu peux. Ok. Je lance le fusil, on attrape le tir, on tire dans la tête. Et voilà, c'est magnifique. Donc, j'ai pas compris le katana. On va le voir, je pense qu'il passe complètement à travers de lui. Katana. Lancé à travers son corps et il n'a rien fait. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais bon. Voilà. On peut voir qu'il arrive de temps en temps des petits trucs un petit peu bizarres comme ça. Voilà. Et tranquillement, ça fait qu'on avance dans le jeu. Mais c'est plutôt bizarre. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Ça donne ça. Et voilà. On passe. Peut-être avoir une petite conversation, voilà, message qui arrive, on fait oui, bonjour. Là, bien entendu, vous allez voir, je tape super bien. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Idée intéressante. Je suis pas sûr que je suis supposé faire ça. Je pense que j'étais dans une usine, dans une allée et dans un subway. Ok. Super, fantastique. Tout le monde a des trucs différents, c'est fou. Voilà, j'appuie juste sur A et ça écrit ça. C'est un mot pour le dire. Des petits points, pas besoin de traduction. Quelques glitches à la fin. Une autorise quelque chose interdit. Et ensuite j'ai été viré. Voilà. Ouais, ils ont updaté le code pour faire que ça marche. Et voilà. Donc là. Et c'est reparti et on peut continuer à jouer, voilà. Mais on va s'arrêter ici pour ce premier petit épisode. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.